quatre fois, dit auditionné 18 fois. Et dans l'audition, ça y est, qui fait dans l'ambassade américaine, par pile radio qu'on a parlé de l'arrestation, mais qu'on a attendu sur la radio. Il a passé 9 jours dans l'ambassade là. Côté qu'il n'y a pas de faire pression sur moi, mais il était juste à un jour de la meilleure façon, pour il était, ouais, est-ce que moi-même, vraiment, moi, c'est moun que Pierre Espérance va nous voir. Parce que l'objectif, c'était qui ça le fait, c'était pour être enlevé, aller juger aux États-Unis pour drogue, pour être capable d'arrêter Joseph Lambert, qui s'est ennemi ministre qu'il était besoin. Mais c'est bien compté, mal calculé. États-Unis n'ont pas arrêté moun sans enquête, ils n'ont pas de bail l'ordre pour être arrêté. C'était Pierre Espérance qui a fait affaire pour contenir. Ils ont même. Yo te prend responsabilité, yo te mené enquête sur moi, yo fait 7 à 8 ans à interroger pour joindre est-ce qu'elle m'implique dans le drogue. Yo pas joindre rien sur moi, ambassade la mandé m'excuse et yo te même arrivé écrit gouvernement haïtien si m'a pas un dossier local pour yo te libérer. Eh bien, gouvernement haïtien te répond, il te dit moi j'ai un dossier devant la justice haïtienne pour déclaration calomnieuse, yo pral fait tandem soupe. Bagay ça m'a parlé nous là, c'est bagay en 2019 à 2018. OK, on pas besoin aller plus sur ça, moi pral toucher deuxième point. Monsieur Pierre Espérance dit qu'on s'aquel pas jamais parler avec dans téléphone. Monsieur dit pas qu'on parler avec dans et que moins cher son salon, selon ça, nous c'est dit, mais son gang. Nous allons présenter pour nous quelques numéros. Et je vais citer autour, je vais prendre au public, je vais demander au commissaire gouvernement Jacques Lafontaine, si lui-même vraiment c'est justice qu'il a fait, je pense qu'il y a une autorité pour lui demander Digicel avec NACOM. Information pour lui relever appel ça yo avec SMS pour moi parce que moi écrit SMS avec monsieur, il répond moi relève, il relève. Et ceci, monsieur est plus intéressé par la même. Monsieur plus relève parce que moi relève. Et tout dit nous ça. Nous sommes jeunes garçons qui à peine fait 34 ans. Moi fait 26 décembre 1988. Moi dit nous ça clairement, moi sincère et honnête ensemble avec nous. Si Digicel t'a démenti, m'a peut-être moi bail commissaire gouvernement pour arrêter me retourner dans prison. Mais si que yo joine Pierre Espérance, t'es contre pas la même, il dit qu'il pas jamais pas la même pour la justice prend responsabilité parce que en matière d'instruction, depuis mon dans bail yo menti, tout reste ça le prend dit c'est faux. Yo pas supposé jamais entendre encore et le pas supposé jamais continuer parler et que commissaire gouvernement prend responsabilité. Mais j'ai un numéro ça. Comme nous, m'a dit nous ça nous capable pas connaître en dans prison téléphone interdit nous sim a vendre 1000 gouttes en dans prison donc petit téléphone ça au dio yo kana téléphone ça pour acheter la vente entre 4500 à 5000 gouttes nous téléphone Android donc pour ça ou a besoin entre 35 à 40000 gouttes pour acheter bagage moi penser qu'il n'a entre 12500 à 15000 gouttes. Donc ça c'est acheter une acheter pour moi, pour me parler ici pour me faire un bril. 46, 49, 63, 37. Je parle avec, je utilise le numéro ça, en prison, pour me parler avec Pierre Espérance, sous 37, 76, 21, 01. 49, 02, 64. Que Digicel tout prend note, que commissaire gouvernement Jacques Lafontaine tout prend note. Je vais utiliser pour te parler avec M. Pierre Espérance sur 37 76 21 01. Je vais écrire, je vais parler avec lui, je vais parler avec lui. 40 37 70 62. Je vais parler avec Pierre Espérance sur le numéro ça. 38 38 28 38. Monsieur Relem en pile sur le numéro ça. Il Relem plus que Relem madame lui. 48 49 21 90. Je vais parler avec lui sur ça. Mes derniers numéros que nous avons utilisés dans la pénitentiaire nationale et que nous avons déposé parce qu'il a fait menace de mort sur le numéro ça et que nous avons déjà informé la justice qu'il a menacé en pile mon abdi, nous avons la caméra, nous avons tout comment marcher, et bien, sur le numéro ça. Et nous avons fait SMS et nous avons fait appel inconnu. 47 49
0511. Pierre Espérance relève en pile sous numéro ça. Et je vais vous donner l'autre numéro que M. Fon utilise tout, qui est le numéro de tout le monde dans RNDDH, nos employés institutionnels, pour des qualités qu'on fait relève sous 37, 38, 36, 32. Citoyens, ça relève Brice et Siconi. C'est un employé RNDDH. Si que Digicel est capable de démentir que Pierre Espérance parle en pile dans le téléphone, et que nous ne pas parler pour Pipiti entre 5 à 10 minutes là que nous parlons, et que moi-même, je pote tête par le commissaire gouvernement pour arrêter dans la place Pierre Espérance qui est supposé dans la pénitentiaire nationale. Parce que moi, cher son ça, non. Moi, pas gang. Moi, pas kidnappeur. Et moi, pas un trafiquant de drogue. Pas contre ça, il est cocaïne. Ok? Moi, je parle sous troisième nom pour nous. Je demande à Pierre Espérance qui dit que lui fait 10 ans pour qu'il peut former. Cherchons ça, nous avons une petite fille qui fait New York, États-Unis, le 31 janvier 2007. Petite fille est rentrée à Haïti deux fois pendant mon prison. Pierre Espérance, pas contre maman petite. Je ne vais pas dire madame moi encore parce que nous sommes capables de comprendre ça. Après 10 ans, pas de madame encore. Moi, j'ai un petit garçon qui fait en 2010 Jacques Mel. Il est actuellement là à vivre au Brésil ensemble avec maman. Moi mettez Pierre Espérance en défi pour lui dire comment madame moi relé lui dit il fait 10 ans prend soin. Moi mettez en défi pour lui dire comment petit moi relé et lui même arrivé dit il paye l'école pour petit moi. Moi ta remet pour monsieur Pierre Espérance chef gang 4x4A selon son aria pour lui dire que comment petit moi relé et qui côté petit moi l'école parce qu'il pas même gain information. Si je pas petit en Haïti. 4. Je voulais porter éclaircissement sur toute conversation téléphonique, et spécialement WhatsApp, que j'ai gagné avec Pierre Espérance. En pile monde, tu es oublié si tu as un citoyen qui était le chef de son salon, qui t'a arrêté le 1er juillet 2013. Que selon moi-même, qui c'était un enlèvement. Eh bien, je ne suis pas de monde pour te supporter encore parce que je n'ai pas de l'argent. Les familles me font contact avec quelqu'un pour aider. Malheureusement, je m'a demandé une excuse. Qui c'est journaliste pareil, nous, gros journaliste. Je m'a demandé 4 000 dollars américains pour traiter le dossier pour moi. Eh bien, je n'ai pas de comme ça. Je n'ai pas de accès pour te acheter une bouteille d'eau pour les gants dans la prison. Parce que après presque 10 ans, tout petit moyen est censé finir. Parler, écrire, téléviser et médias en ligne. Jean qui nous connaît, moi c'est chef son salon, ancien chef sécurité, ancien sénateur Moïse Jean-Charles et coordonnateur départemental sud-est plateforme petite des années. Nous tous qui là, nous connaissons que nous sommes passés 10 ans en vie dans la prison, côté que nous battions fait rien pour nous dans la prison. Pendant que j'étais dans la machine ensemble avec le sénateur Moïse Jean-Charles, j'ai été recevoir un coup de fil qui était mené dans la prison. Donc, je parle de notre objectif de conférence de presse. L'objectif de conférence de presse, c'est pour démentir formellement M. Pierre Espérance, directeur exécutif RNDDH, qui dit que c'était moi-même, cher son salon, qui était allé dans le bureau à côté de plainte pour Joseph Lambert, Edwin Daniel Zeniti et Edo Zeni, Jackie Kaoli et Joël André Kaoli. C'est faux. Je n'ai pas de mon numéro de téléphone Pierre Espérance. C'était seulement sur radio et la télévision que je me contentais après citoyen. Deuxième point, c'est pour me démentir Pierre Espérance encore. Pour dire que je n'ai pas de mon parler dans le téléphone avec moi, et je me dit son chef gang. Je vais le prouver pour le monde entier. Que c'est Pierre Espérance qui gagne. Troisième point, je vais démentir M. Pierre Espérance qui dit qu'il fait 10 ans là pour qu'il puisse former. Je vais prouver ça. Quatrième point, c'est pour éclaircir nous toute conversation, c'est pour donner un éclaircissement sur toute conversation téléphonique que je gagne avec M. Pierre Espérance pendant que je suis dans la prison. 5. C'est pour informer la presse que me déposer en plainte dans le paquet Port-au-Prince pour Pierre Espérance. Pour
pour extorsion et vol de téléphone et séquestration. 6. M'a demandé la justice pour faire suivi avec dossier maintenant pour une justice avec préparation. 7. Et m'a demandé pour connaître pour qui raison Pierre Espérance dit il fait 10 ans après son famille. Est-ce que c'est un deal qu'il a gagné avec lui? Lui-même l'a dit. Est-ce qu'il pas connaît? Il pas connaît pas la même. On va pas gagner intérêt pour prendre son famille. 8. Pierre Espérance dit lui-même en prison. Après m'a gagné 2 ans en prison. On va le côté éclaircissement sur ça toujours parce que tout ça le dit c'est faux. On va le détailler pour nous. Premier point. M'intéresse à voir un appel sur 37 76 21 01. Si toi un relève, lui m'a dit est-ce qu'il est capable de parler avec Chelson Sano. Moi dit oui, c'est moi-même pas de problème. Et puis lui dit me joindre avec lui dans bureau dans RNDDH ou à Rivière pour nous parler. L'aime rivé, monsieur dit mon ça que mon cher ou gagne un épée dans vos clés sous tête. Ça va servir à mettre servir fort. Si vous pas bien jouer ensemble avec moi là, vous avez perdu la vie dans le sud-est. Je demande de vous raison. Je dis que deux amis avec Joseph Lambert dit vous avez livré le département par Moïse Jean-Charles pour ne pas respecter le monde. Il faut apprendre à respecter le monde. Et je demande de tout est-ce que vous soumis à l'arrestation de un juge de paix qui est le Nader des yeux. Je dis oui. Et même arrivé par moi, l'arrestation. Qui c'est des 8h30 à soi, pas son gitan. C'est pas de mentir. Pour vivre que monsieur dit m'baray ça, c'est vérité, je vais voir tout ça qu'il dit pour l'évangile. Monsieur dit que et deux amis avec Joseph Lambert préparé un plan d'assassinat pour moi. Monsieur dit mon cher m'a fait un baray pour vous en urgence rapide qui sont asile politique, mais pas quitter madame Mouconnay. Monsieur prend ma chimie, il a déposé dans belle lune hôtel. Je passe 10 jours en tout dans la belle lune hôtel. Premier 3 jours, je retourne dans le bureau monsieur. Je te joins environ 12 à 13 blancs étrangers dans le bureau. Je me suis dit, fais vite. Si c'est ça pour moi, c'est vous-même blanc. Mais moi-même qui connais que la vie mange. Et puis, je ne parle pas de l'asile politique. Je comprends que c'est vrai. Moi, quand que j'en connais si Pierre Espérance, c'était Jean de Mounsaulté. Si c'était saleté qu'on fait pour lui. Et que moi, posé signature sans garder parce que je ne pas comme c'était Jean de Mounsaulté. Rapide, sans hésiter, posé signature sur le document. Mais comment Chelson Sano est arrivé, si un document, pour que monsieur fait moins témoigner, ok, moins témoigner sans que je ne pas connaître. Que me compte côté droit pour Lambert et Dozeni et Joël Kaouli et me compte tuer mon pour tout c'est ça que monsieur dit dans le document. Malheureusement moi j'ai signé le document ça. Monsieur mettait dans machine sur 10e jour lui voyait moi dans lui fait Marie Olen Gil avec Marie aussi Auguste du Sénat mais même dans palais de justice ou bien dans tribunal première instance de Port-au-Prince. Pendant ma rentrée dans tribunal là seulement toute unité dans la police là est en présent. Moi n'ai que rentré, c'est garder moi ça à braquer et puis radio RCH 2000 qui m'a informé moun de arrestation chez son ça. Donc moi pour même moi juge, moi j'ai arrêté. Juge qui va l'arrêter maintenant, arrêter me sans qu'il pouvoir même ni pour connait qui moun qui il pour même demander moi comment relé. Moi pour même rentrer dans bureau. Et là c'est ton bagage qui était déjà planifié. Tout de suite, je vais me pénétrer national. Environ 5 minutes après, Pierre Espérance débarque, il pote un document avant moi. Il dit moi, le document ça, je vais apprendre un paquet. Si vous n'avez pas réciter devant le juge là, j'en ai lié, je vais passer toute la vie en prison. Et ceci, il tout imposé mon avocat qui s'était mettre Mario pour voir. Mais par contre, rien en prison, malheureusement, je prends la vierge. Ok? Et puis, je viens transporter dans la prison civile à Kaye. Pierre Espérance passe l'ordre formel. Côté que lui interdit à visite famille, sans mime,
seulement RNDDH qui était capable de visiter. Heureusement, il n'est pas capable d'empêcher l'ambassade de France de visiter. Heureusement, il n'est pas capable d'empêcher l'ambassade américaine de visiter. Parce que dans tout ce que je fais, il a indexé directement les États-Unis et la France. Parce que dans le papier que je fais, signé, sans que je ne me compte ça qui est là-dedans, là, il dit que je suis deux Français. Papa a petit, Fernand Moulier et Céline Moulier. Monsieur dit que m'a transporté drogue pour Lambert depuis en 2005 jusqu'à 2013. Eh bien, la presse qui l'a, m'a informé nous ça. Ambassade de France avec ambassade américaine, ils ont visité 26 fois la prison. Ils ont auditionné 22 fois. Évacué journaliste vedette Teriel Delus qui était à l'époque des journalistes Radio Télé Zénith. Il a expliqué monsieur Teriel dossier au frontière Teriel saisi parce que Teriel Delus te connaît comme un drug dealer. Teriel Delus te connaît Chelson Salon que Pierre Espérance te vendre comme un chef d'angle. Il te promet famille qu'il pas main dossier comme ça sans que il pas mener enquête. Famille dit Teriel qui a étudié sécurité rapprochée dans Sirecom, Santo Domingo, République Dominicana. Teriel Delus rendit Saint-Domingue dans l'école là, pour l'informer. Eh bien, moi-même, petit garçon, petit ça, je suis là. Moi, c'est le troisième lauréat dans la promotion par la Cour d'armée dans la sécurité rapprochée dans Sirecom, Santo Domingo. Ok? Troisième lauréat, c'est un Vénézuélien, c'est un Dominicain, et premier, c'était un Vénézuélien. Teriel Delus rendit dans la ville Jacmel, dans lycée Vinchina. Et que beaucoup de gens bataillent un jour avec l'union élève. Voir pour me faire un dégât, pour me faire un grand dégât, pour me trouver une situation. Teriel Delus rendit dans l'école nationale mixte de Canes-Ridoré, côté que je fais primaire, Kavov Jacmel. Eh bien, heureusement pour moi, il n'y a pas joué rien de moi. Teriel Delus parlait avec un pile de monde Jacmel, il parlait avec mon petit de salle, il parlait avec un pile d'autres monde qui connaît. Il n'y a pas de gens rapporté rien de moi qui était mal, et bien il était finalement dit la défendre pour jouer une libération. Il n'y a pas décidé pour te faire traiter le dossier ça dans la presse. Il prend le téléphone, il contacte M. Pierre Espérance Médinois, qui est capable d'essayer de relever le numéro sale, pas capable de répondre. 37 76 21 01. Il dit Pierre, moi respecte le travail en pile. Moi connais présence sous EDPI en pile. Mais, tu as semblé pour te faire faille, pour te faire fly dans un dossier qui est traité, c'est le dossier de Chelson Sanon. Moi, t'as remé pour faire tout ça dépend de vous pour aider Piti à jouer une libération qui presque gagne 10 ans en prison. Je pense que M. Teriel Delus, capable d'aider le pays à tout, à travers message par lui, eh bien, monsieur, dame, la société, Pierre Espérance n'a pas démenti Teriel, il n'a pas jamais dit Teriel qu'il n'a pas fait fly dans le dossier. Il était seulement dit Teriel, relève pour nous parler. Parce que, comme habitude, c'est relève, négocier. Il n'a pas jamais eu le courage pour assumer responsabilité ou bien pour demander excuse. C'est relais négocier, même Jean Kelly fait dans un pile station radio avec télévision pour ne pas bon parler et pour ne pas courir une conférence de presse. Donc, li finalement, pas jamais dit Teriel rien. Teriel qui relais, il n'a pas choisi de réagir. Monsieur Teriel Delus, journaliste vedette Radio Télé Zénith, décider de traiter le dossier pour moi dans la presse pour nous être capable de faire une libération. Relive frappe, il si tellement dit, monsieur tombé écrit dans la prison, il dit c'est la presse qui empêche de me libérer. Il fait plusieurs tentatives pour me libérer. La presse bloque. Il dit journaliste, pas vle que le dossier me traite parce que il dit c'est gang. Après, il dit lui-même à bouche qui dit c'est lui-même qui dit gang. Li dit pour me dire famille éviter parler avec Teriel Delus qui sont traîtres qui parlent les dossiers avancés qui défendent l'autre intérêt politique qui parlent les dossiers avancés et pourtant c'est pas John Salpé
Mais c'est Teriel Denis qui m'a démissionné pour lui aider pour me sortir dans la prison, mais il n'a pas choisi de parler à Teriel pour lui dire qui ça. Seulement, il a cherché les gens comme j'ai le fait avec l'autre tête, l'autre monde qui n'a pas de sens. Il a cherché négocier. Parce que c'est dit, relève pour nous parler, mais il n'a pas de courage pour lui démentir ça. Monsieur Pierre Espérance écrit sous téléphone WhatsApp qui c'est 40 37 70 62. Il dit que il a besoin de faire un petit parler avec moi concernant le dossier pour venir formule pour être capable de faire une libération. La presse parle, écrit, télévisé et puis les médias en ligne qui là. Mes conférences, mes appels, mes messages, ça c'est constat, ça c'est procès verbal, constat que juge de paix Philippe Vincent fait, quand que je fait appel avec plusieurs juges de paix pour te constater téléphone pour moi en prison, malgré le téléphone, le message, je dis bon, bien espérance, je m'avais dit job moi. Je ne suis pas capable de recevoir ce verbal. Eh bien, juge Vincent, juge de paix section Sud, l'idée dit comme ça, mon cher, moi-même, je ne pas servir tête, je ne pas servir pays. Pour le mieux faire constat, mon téléphone, je constate ça que moi, et pour rédiger un procès verbal. C'est ça la loi dit que je suis capable de faire. C'est ça, juge de paix. Juge Vincent Philippe Tedim. Dans le téléphone, il dit qui ça m'a constaté là-dedans. Moi dit moi besoin pour aller sur WhatsApp pour aller dans message moi yo pour aller constater message pour joindre que moi gagné avec 37 76 21 01 pour moi. C'est juge de paix avec mes parles qui ouvre téléphone là. C'est juge de paix avec mes parles qui allait dans WhatsApp moi. C'est juge de paix avec mes parles qui ouvre message yo, qui passe yo graine par graine. Et puis il prend yo, il mette yo sous papier, il dresse procès verbal ça pour moi côté que mes messages yo là. Monsieur Pierre Espérance pas qu'a dit pas parler avec moi. Yo juge de paix pas qu'a constater ça qu'il pas ouais. Ça c'est pas un papier que chef son ça nous fait. Ce n'est pas un message que je voye bay un juge de paix constater pour moi. Son téléphone que je remet lui. Malheureusement, je n'ai pas de téléphone avec moi parce que le téléphone interdit en de prison. Je n'ai pas capable de sortir avec elle. Parce que à chaque fois que vous sortez pour le tribunal, vous fouillez. Vous rentrez, vous fouillez. Qui donc le téléphone qui est en de net jusqu'à ce que. Il y a un policier qui gère la prison, il y aurait les DAP, ou bien nous connaissons son nom APNA, ou bien qu'il prend l'homme. Mais si ce n'est pas ça, le téléphone ça en net. Si tu as risqué pour te dire que tu as essayé de faire ensemble avec lui, parce qu'il a fouillé ou bien fouillé. Ça, nous étions quoi que nous clés sur lui, que Pierre Espérance suspendu ou pas parler avec lui, parce que nous avons tout pour lui. Si c'est la paille pour lui, Mais j'ai un message WhatsApp que le juge de paix a constaté le téléphone. Il était allé dans WhatsApp, il a cherché tous les messages. Et bien, mes messages. Moi-même, qui t'ai voulu gagner l'autre document en plus, pour ne pas traiter seulement sur le document que j'ai gagné sur papier, étant donné que le téléphone n'a pas eu l'impact même en permanence, n'importe quel moment, il est capable de prendre. Nous tous qui là, nous éclairer que moi, si tout dans ça qui vient pour avec technologie. Après 10 ans que nous perdons dans la vie, je pense que la technologie est vraiment en retard dans les bagages comme ça. Nous sommes capables de faire un appel pour un message. Par contre, nous bagages dans la technologie. Qui ça me fait? Moi, je fais screenshot de message. Moi, je conserve sous compte Gmail pour être capable de gagner. Et bien c'est eux-mêmes qui m'ont gagné sur compte Gmail moi là n'importe téléphone n'importe quoi téléphone moi gagné maintenant qui rentre compte Gmail moi sur lui depuis besoin screenshot ça yo m'a joindre
Ce n'est pas nos pleines espérances qui sont enregistrées. C'est le numéro qui m'a quitté. Parce que la bombe brèche longtemps. La femme promesse longtemps, elle va respecter. Elle me prévoit un jour qu'elle te dit qu'elle ne va pas jamais parler. Parce que je connais son aigle qu'on s'allie. Et puis tout, je suis capable de dire l'autre bagaille. Il y a des gens qui ont bien espérance, qui ont une note sur eux, qui ont un rapport sur eux. Ils traitent des bandits, je vais nous garantir. Qu'ils traitent des kidnappés. Nous-mêmes qui ne nous connaissons pas. Mais moi-même, je suis vivre dans la même cellule avec eux. Je suis capable de nous plus faire confiance parce que bien espérance. Nous ne reconnaissons pas nos messieurs Clifford H. Brapp. Nous connaissons arrêter la question de kidnapping. Si nous sommes capables de courir. Eh bien, moi-même, je fais 10 ans de mon côté. Je ne dis pas qu'elle n'est pas kidnappée. Ça, c'est le dossier. Mais les gens qui vivent dans la prison, je me dis que je compte ça qui passe. Je songe à Pierre Espérance, sorti un rapport qui dit dossier brap. Eh bien, tout le monde connaît comment kidnapper. Moi-même, je fais, je fais entendre dialogue avec Pierre Espérance. Je mets le téléphone sur le speaker. Pour me faire Clifford Brapp dans des conversations avec Pierre Espérance. Nous reconnaissons M. Oubliétéa. Que Pierre Espérance fait tout le monde connaît. C'est mauvais monde, c'est criminel, kidnappé, dit la drogue. Et non, je ne dis pas que ce pas mauvais monde, mais je suis capable de faire comparaison toujours. Parce que moi-même, qui t'ai fait 10 ans en prison, sincèrement, en vérité, je me sens plus confortable que Clifford Brapp sur son la famille et Pierre Espérance. Je ne sais pas si vous avez fait ou si vous n'avez pas fait. Mais les gens qui ont comparé avec Pierre Espérance pour ça qu'elle a fait, pour les gens qui ont détruit jeune, moi-même, je sens que je fais les gens qui ont dit qu'ils kidnappaient, les gens qui ont arrêté pour kidnapper, je vois un pile qui est honnête passé. Je connais un pile qui est honnête. Parce que eux-mêmes, ils ont suivi l'action, ils ont senti que ils ont pu jamais sale dans la vie, ils ont estimé que c'est eux-mêmes, Pierre Espérance, ça le passe. Donc, on n'a pas avancé. Pour qui raison, on a pris 9, non 8. Pierre Espérance dit comme ça, lui ou moi, yon fois, dans prison. C'était 2 ans après libération que le déroule. Chaque samedi, nous, m'a venu avec preuve et archivio là tout parce que. C'est pas une institution qui est privée. C'est pas l'État. Nous connaissons la prison, pas qu'à mentir là-dedans. C'est pas la prison privée. Donc nous-mêmes qui là, si nous entrons dans la prison, nous allons au monde. Même que nous t'attendons, nous t'avons. Nous ne pouvons pas faire photo nous. Eh bien, archivio là. Le jour que la prison a décidé de nous inviter un tel et tel, depuis la prison en vrai, la paix des lumières fait dans le dossier ça. L'homme de gagner 2 ans dans la prison. Je ne pas trouver dans la prison civile à Kaye. Pierre Espérance dit que je suis dans la prison à Kaye. Je suis 2 ans dans la prison. Je suis arrêté le 1er juillet 2013. Le 5 juillet 2013, je suis transféré dans la prison civile à Croix des Bouquets. Le 6 juillet 2013, je suis transféré dans la prison civile à Kaye. Le 23 novembre 2014, je suis retourné dans la prison civile de Port-au-Prince. Et je suis pas 2 ans en prison. Je suis pris 2 ans en prison le 1er juillet 2015. Qui prend pénitentiaire nationale. Si nous allons dans le greffe, la numéro dossier Abdil, nous avons pas pas enregistré dans la prison civile à Kaye, dans la date que Pierre Espérance dit. Nous avons fait avancer. Pour me dire, 10. Moi, je voulais expliquer la presse. Pour qui raison? C'est après 10 ans. Moi, je suis juge. Je dis nous qui ça qui te cause. Moi, je suis jugé après 10 ans. C'est parce que, après que le juge d'instruction a fait une ordonnance sous 9 mois, le juge d'instruction a été joué que moi, cher son ça, non. Moi, je ne suis pas contre tout le monde. Moi, je ne suis pas contre vendre de drogue, je ne suis pas contre porter de drogue. Et je n'ai pas aucun lien avec ni Joseph Lambert, ni Edo Zemi, ni Jackie, ni Joël Kaouli. Littéralement, nos ordonnances, quand elles étaient blanchies autorité, mais moi-même, je devais me juger devant le tribunal
et sans avec sans assistance de jury pour déclaration calomnieuse et association de malfaiteurs. M'a précisé pour nous, on pas fait droit. Mais après 10 ans en prison, si m'a pas ta fond un petit bagaille, m'a sorti en pile et m'a dit nous ça élève lycée pas égal. Nous ca prendre un piège mais nous pas sorti. Nous sorti dans lycée Vinchinage après. Là on dit pour mal juger pour association de malfaiteurs et déclaration calomnieuse, c'est parce que le juge l'a estimé qu'il m'a fait mentir. Menti qu'il m'a fait, moi pas dit qu'il m'a fait faire un bagaille. Moi pas dit que sénateur l'embête qu'on fait un bagaille. C'est parce que m'a mis signature sur un document. Document ça c'était piège au TPG. Yo te dit c'est un asile politique mais t'es blanc. Toute gros autorité n'a pas gardé la pouvoir. Depuis qu'on sent qu'ils ont en difficulté, pas que l'autre bagaille ait besoin qu'il y ait asile politique parce que l'asile là où il y a avec toute famille. Moi, je suis dans l'asile, je dis que l'embête, tout le monde connaît l'embête, c'est je dis que c'est bas aussi, c'est pas tourner. Et nos amis, c'est plus gros autorité au point de vue économique dans le département sud-est. Donc, on n'est pas d'accord avec vous, ça a besoin de tout, il y a besoin de tout, il y a besoin de pas de monde qui aime l'amour. Je ne peux pas poser signature. Et le premier monde qui signe un document, c'est que je suis. Nous avons un ancien sénateur, Steven Benoît, qui signe un document en appel de Batli. Pour qui ça, c'est moins cher son talon, on va être journaliste pour RNDDH, pour Pierre Espérance, a dit pour qui ça me Batli. Je suis un niveau Steven Benoît. Steven Benoît a un niveau passé. Ce n'est pas moi qui ai ça, mais n'importe qui est capable de faire ça, ça dépend des circonstances. Ok? Eh bien, association de malfaiteurs, juge l'a estimé, c'est parce qu'elle estime pas faire pour votre moi. Juge l'a estimé que moi accompagné de organisation et document titré RNDDH, moi fait association de malfaiteurs ça avec RNDDH. Égal la pour me juger. Dans langage prison, les gens qui ont un monde avec vous, donc le thème juridique lui-même, il dit association de malfaiteurs, qui lui dit accompagné de. Mais en dans prison, il y a le vrai dossier. Pierre Espérance, tu as supposé vrai dossier, et puis tu as supposé minoter pour ça avec pour nous juger devant le même juge, pour déclaration calomnieuse, c'est ça que fait au dit association de malfaiteurs. C'est de Pierre Espérance qui a fait poser signature sur le document et c'est directeur exécutif RNDDH.